We don't need no education. We don't need no thought control. No thought sarcasm in the classroom. Salut, je m'appelle Camille et aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au Collège de Bois-de-Boulogne. J'ai gradué au printemps 2013, donc il y a 3 mois environ. Donc, j'ai fait la promotion 2011-2013 et j'ai étudié en sciences humaines, profil individu, sans mathématiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs points, petits aspects de Bois-de-Boulogne et j'espère que mon expérience va pouvoir vous aider. Je sais que vous avez déjà commencé l'école à Bois-de-Boulogne, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, des conseils, ça se prend toujours, peu importe le temps de l'année. Donc, voilà. On va commencer par mon programme. Donc, moi, j'étais en sciences humaines, profil individu, sans mathématiques. À Bois-de-Boulogne, il y a 4 programmes de sciences humaines. Il y a administration, donc pour ceux qui veulent aller en marketing, à HEC, en comptabilité, donc pas mal tout ça. Ensuite, il y a individu, dans le programme dans lequel j'étais, et c'est axé vraiment sur la personne, donc la psychologie de l'individu, pourquoi il agit de telle façon. J'ai vraiment adoré ça. Ensuite, on a le programme Société. Ça, c'est vraiment les relations entre les pays sociopolitiques. Donc, voilà. Et finalement, il y a le profil Monde, donc géographie des populations. Donc, ça ressemble à ça. Aussi, on peut ajouter ou enlever des mathématiques si on le souhaite. Moi, au début, j'avais pris avec mathématiques parce que... En fait, je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça là, pour m'ouvrir des portes, là, mais bon. Moi, je vais être prof de français au secondaire. En fait, j'entre à l'université... dans le fond, le 3 septembre en enseignement. Et ça ne me sert vraiment à rien de faire des intégrales et des dérivés. Mais bon, je me suis dit, gars, je vais le faire au pire. Puis là, j'ai vu ce que mes amis en sciences pures faisaient dans leur cours de mathématiques. Je sais que c'est pas tout à fait le même programme, mais on s'entend qu'une dérivée, c'est une dérivée. Puis moi, j'avais pas envie de faire ça, donc j'ai annulé ce cours-là. Puis il n'y a vraiment pas eu de problème avec mon API. Donc, voilà. Vraiment, le programme dans lequel j'étais, j'ai adoré ça. Les cours de psychologie étaient merveilleux. Les profs que j'ai eus, c'était des femmes passionnées qui étaient des psychologues de formation puis qui ont vraiment pu expliquer tout ce qu'ils avaient expliqué. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ça, j'ai adoré le programme individu. Chaque programme en sciences humaines a des cours plus spécifiques, donc a des cours de concentration. Donc, ça varie vraiment de programme en programme. Mais moi, c'est des cours de psychologie. Donc, j'ai eu, bien sûr, introduction à la psychologie. Ça, tout le monde en sciences humaines a ce cours-là. Mais après, il y a eu psychologie du développement. Il y a aussi eu psychologie des relations. Puis, j'ai aussi pris en option psychologie et sexualité. C'était des cours vraiment très, très intéressants, très passionnants. Pour ce qui est des choix de cours, des cours en option qui ne sont pas vraiment dans notre programme, il y a quand même une bonne diversité. Mais c'est pas non plus. Il n'y a pas pour une offre immense, mais quand même, c'est pas si pire. Dans le fond, en sciences humaines, on peut prendre plusieurs cours qui sont pas dans notre profil. Donc, j'aurais pu prendre des cours d'administration, j'ai pris des cours de géo. Puis, en quatrième session, on peut prendre des cours plus avancés d'histoire, de sociologie, de géographie aussi. Ceux que j'ai pris socio et géo, puis j'ai vraiment adoré ça. Donc, voilà. En sciences pures, il y a moins de choix parce que le programme est plus exigeant. Mais, c'est comme ça. Voilà. Puis aussi en sciences pures, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 profils. Dans le fond, il y a le profil sciences pures et il y a le profil sciences santé. Donc, ça offre plus un choix. Puis en sciences santé, il y a plus de bio. Je pense qu'il y a 1 cours de bio de plus. Je suis pas sûre, j'ai pas fait ça. Mais voilà. Maintenant, les profs que j'ai eus, je pense que j'ai pas eu un prof qui était pas passionné par ce qu'il enseignait. Tous les profs que j'ai eus étaient mordus de leur matière, que ce soit en histoire, en sociologie, en psycho, en anthropologie, vraiment, c'était des profs merveilleux. Je dis pas que tous les profs étaient excellents, mais je dis que tous les profs sont passionnés, puis ils sont vraiment là pour vos réussites, pour votre réussite scolaire et vraiment toutes sortes de réussites. Et ils sont vraiment super, super disponibles, sérieusement. Dès le premier cours, ils vous disent quand vous pouvez les rencontrer et ils sont vraiment là pour vous rencontrer. C'est pas comme « Ah oui, je vais être là à mon bureau de comme midi à midi et quart ». Non, c'est vraiment des grandes disponibilités. Et ce qui est bien, c'est que le mercredi, de 1h à 3h, il n'y a pas de cours. Donc, si vous voulez, vous pouvez rencontrer vos profs, aussi prendre des rendez-vous avec eux. Puis,
vraiment, ils sont super disponibles, ils sont vraiment ouverts à vos questions. Ils sont toujours là pour répondre à vos questions. Il faut pas avoir peur de leur poser des questions parce que ça va faire plaisir de répondre. Aussi, les profs offrent différents formats de cours, donc des cours magistraux, donc où le professeur fait juste parler. Ensuite, il y a des exercices, des activités en groupe, des petits films, des jeux des fois. C'est rare, mais quand même des jeux des fois. Puis c'est le fun de voir la variété de chaque professeur. Par contre, je trouve que les profs nous préparent bien aux examens qu'on doit passer par la suite, je trouve. Il y a eu très peu de cours où je suis arrivée à l'examen sans savoir à peu près à quoi je m'attendais. On a toujours comme un guide de révision, c'est comme quel point étudier. Pour qu'il y ait des horaires, comme vous devez le savoir si vous êtes déjà rentré ou si vous ne savez pas, les horaires se font une semaine à une semaine et demie avant le retour à l'école. Donc, on vous donne une date précise pour votre programme et vous vous connectez. Dans le fond, vous voyez votre horaire. L'horaire est préétabli pour vous, mais vous pouvez le changer. Donc, d'habitude, c'est une journée après ou deux. Vous pouvez vous connecter sur le site d'Omnivox et on vous propose d'autres choix. Pour changer, c'est environ 20$. Et sérieusement, moi, c'est les meilleurs 20$ que j'ai depuis longtemps investi. Parce que des fois, il y a des horaires qui ne me convenaient simplement pas. Ou des fois, j'aurais voulu être avec telle personne dans mon cours, puis que ce cours-là s'offrait tel jour. Puis on peut changer des choses comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Donc, les horaires. Moi, j'ai toujours eu des bons horaires. En quatrième session, mon horaire, j'ai dû vraiment comme rusher pour l'avoir parce qu'au début, il était dégueulasse. Puis vraiment, tout le monde à qui je parlais, tout le monde haïssait leur horaire. Mais après, on a pu changer, puis c'était correct. Bon, ensuite, pour ce qui est du site et du campus du Collège de Bois-de-Boulogne, il y a deux pavillons. Il y a le pavillon Ignace Bourget et il y a le pavillon Saint-Paul. Ignace Bourget, c'est pour les sciences humaines et aussi pour les soins infirmiers. Puis aussi, beaucoup de cours de base qui se donnent, de cours de tronc commun qui se donnent à Ignace Bourget. Puis à Saint-Paul, donc de l'autre côté de la rue, c'est surtout les cours de sciences pures qui se donnent là-bas avec les laboratoires de chimie puis de physique. Mais il y a aussi quelques cours comme français, anglais, MQ qui se donnent à Saint-Paul. Pour ce qui est du campus, c'est un campus qui n'est pas magnifique, mais il n'est pas affreux non plus. Mais on s'habitue, puis moi ça me fait quelque chose de revenir ici. Donc ici, présentement, on est juste ici, c'est la cafétéria à Ignace. Puis ici, c'est comme une cour intérieure, sur une table où on peut manger. Donc, c'est bien agréable. Pour ce qui est de la bâtisse à Saint-Paul, à Ignace, pardon, c'est un mélange, qui c'est vraiment simple. Okay? Il y a quatre étages. Il y a l'aile S, donc pas mal tout le bâtiment. On s'entend que ça peut faire S144, donc c'est au premier, deux, trois, quatre étages. Il y a quatre étages à Ignace. Puis aussi, dans le fond, c'est les gyms. Donc, ça, c'est les Y. Dans le fond, les H, c'est l'aile informatique, donc dans le sous-sol. Puis c'est vraiment facile à se repérer. Il y a un plan à l'entrée. Puis voilà. Pour ce qui est des A, B, C, D, c'est à Saint-Paul. Donc c'est soit les labos de chimie, soit les locaux d'art, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est quand même facile à se retrouver. Là. N'ayez pas si peur que ça. Je vous dirais aussi d'arriver peut-être un petit peu à l'avance pour pouvoir repérer vos cours. Pour pas trop capoter le premier jour d'école, mais bon, c'est pour vous, c'est pas trop grave. Par contre, juste vous avertir que la température n'est pas super bien régulée. Donc l'été, il fait très 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 chaud, mais quand je parle de très chaud, c'est très chaud. Puis l'hiver, il fait assez froid. Donc juste pour que vous le sachiez, pour que vous soyez vêtus correctement. Il y a une connexion Wi-Fi à Bois-de-Boulogne. Elle est assez lente, juste pour que vous le sachiez, mais il y en a une gratuite, donc c'est toujours apprécié. Mais dans le sous-sol, il n'y a pas de réseau. En tout cas, moi, j'avais pas de réseau. Puis dans l'aile informatique, non plus, il y a beaucoup de réseau. Aussi, on a une coop à Bois-de-Boulogne, donc pour acheter nos livres. Et on peut devenir membre de la coop si on paye 20$. Si vous commencez votre collégial, je conseille vraiment de devenir membre parce que ça vaut la peine. On a quand même des bons rabais. Puis pour 4 sessions, ça vaut la peine où on va acheter les livres et les manuels scolaires, tout ça. Donc moi, je vous conseille de faire ça, même s'il vous reste juste un an, ça vaut vraiment la peine. À la coop de Ignace Bourget, c'est là qu'on vend vraiment les livres, les manuels scolaires. Il y a des crayons, il y a des collations, il y a même des petits sandwichs qui proviennent du bistrot. Et ce bistrot-là se trouve à Saint-Paul, donc dans le sous-sol à la place de l'ancienne cafétéria. Puis ça, je vous parlerai de la qualité de la nourriture un peu plus tard. Donc voilà. À la coop, on vend aussi des permis pour le stationnement. Ben, moi, c'est ça que j'avais parce que je venais à l'école en voiture tous les jours. Mais il y a vraiment un bon système de transport en commun. Il y a le train,
de Blainville-Saint-Jérôme. Il y a aussi le train du Ruisseau. Donc, c'est le train qui dessert tout l'ouest de l'île de Montréal. Puis, il y a aussi les autobus, le métro qui va jusqu'à Laval. Donc, il y a vraiment plein de moyens de se rendre à Bois-de-Boulogne. Puis, c'est quand même facile d'accès. Donc voilà, puis pour ce qui est des permis, il y en a vraiment en immense quantité. C'est pas comme à d'autres cégeps comme Gérald Godin ou Antic où ils font une pige de vignettes. Vraiment, à Bois-de-Boulogne, il n'y a jamais vraiment de manque de vignettes vu qu'il y a vraiment beaucoup d'espace. Puis il n'y a pas tant de monde que ça qui viennent. Ben, il y a quand même beaucoup de monde qui vient à l'école en auto, mais pas assez pour avoir un manque de vignettes. Maintenant, la cafétéria et le bistrot. La cafétéria, en tout cas moi, dans mon temps, était desservie par Aramark. C'est une compagnie qui dessert les écoles. C'était pas super bon, c'était quand même assez cher. Mais maintenant, je pense qu'ils ont changé pour une autre compagnie. Donc, je sais pas c'est quoi la bouffe, mais à la cafétéria ici, il y a surtout du junk food, donc des frites, des pogo, des hamburgers, des trucs comme ça. Il y a une petite section bar à salade, elle est quand même bonne, mais c'est quand même cher. Là, je veux dire, c'est quand même très très cher. Et il y a aussi des machines distributrices à Ignace. Donc, par là. Puis c'est ça. Aussi, donc, à la coop, ils vendent des petits sandwichs, mais le bistrot est vraiment à Saint-Paul. Puis ils ont vraiment de la cuisine différente, mais c'est vraiment bon. C'est plutôt naturel. Il y a des choses plutôt excentriques, si je peux dire ça, comme une salade. Là. C'est comme du couscous avec des amandes, puis des raisins, des choses comme ça. C'est plus poussé comme nourriture. Moi, j'aimais mieux ça. Puis les sandwichs aussi sont meilleurs. Donc, voilà. C'est ça. Puis aussi, le bon café, c'est vraiment au bistrot. C'est pas vraiment à la cafétéria ni dans les machines distributrices. On s'entend que du café de machine distributrice, c'est comme... non, là. Sauf par contre, le café vanille française de la machine, là, c'est vraiment bon. Ça, c'est comme la seule chose qui est vraiment bonne. Bon, pour ce qui est des restaurants, d'habitude, autour des cégeps, il y a plusieurs chaînes de restauration rapide. Mais à Bois-de-Boulogne, on est différent. On se démarque. Dans le fond, il y a un Subway. Il y a le café au noir, je crois, dans le fond, moi je suis jamais allée là. Il y a aussi un couche-tard, un restaurant chinois et le coq lala, c'est du poulet. Donc c'est pas mal les seuls restaurants qu'il y a autour de Bois-de-Boulogne. Ils sont sur Henri Bourassa. Par contre, il y a un Loblaws à comme 7 minutes de marche par là. Moi j'aime le Loblaws là-bas, il est vraiment beau, là. Il y aura une bonne sélection de nourriture, mais aussi pour les filles de maquillage. Juste pour vous dire, là. Vous informe de cette information. Il y a aussi des belles décorations en temps et lieu, donc à Noël, Halloween, juste pour vous dire ça. Mais bon, on n'est pas super bien desservi. Il y a un Subway, c'est vraiment la seule chaîne de restauration rapide. Il y a comme des petits restaurants, mais pas mal tout. Là, donc, c'est ça. Puis il faut marcher, marcher un petit peu, là, ça prend 5 minutes, mais c'est pas si pire que ça. Mais attendez-vous pas à ce qu'il y ait méga offre de junk partout, là. Il y en a pas tant que ça. Okay, maintenant, pour ce qui est des personnes, on dit souvent, le stéréotype de Bois-de-Boulogne, c'est que les gens sont antisociales, puis qu'ils veulent juste réussir, puis qu'ils veulent pas avoir des amis, puis qu'ils font comme réussite. Bon, il y en a partout, ça, dans du monde comme ça, dans les cégeps. Comme vous allez au vieux, il va y avoir du monde comme ça aussi. Mais moi, j'ai juste trouvé que les gens ici voulaient réussir. Mais c'était pas excessif jusqu'à ne pas parler à personne et ne pas avoir d'amis. Mais c'est ça que j'aimais, c'est la motivation des gens. Puis vraiment, j'ai rencontré du monde qui voulait vraiment trop réussir, du monde qui voulait réussir comme du monde, puis du monde qui s'en foutait. Puis aussi des gens super sociables, des gens super gentils, du monde vraiment différent que j'aurais pas rencontré ailleurs, je crois. Ben c'est sûr parce qu'ils viennent à Bois-de-Boulogne. Mais vraiment, c'est des gens que je sais que je vais revoir après parce que c'est des gens avec qui j'ai vraiment formé des liens. Très fort selon moi. Puis, il faut juste être ouvert et parler aux gens parce que c'est comme ça qu'on se fait des amis vraiment partout. Puis, c'est pas différent à Bois-de-Boulogne. Donc, voilà, ça c'est pour les sciences humaines. Sciences pures, je sais pas. Parce que moi, j'étais pas en sciences pures. Et aussi, je trouve qu'on retrouve autant de personnes qui veulent comme parler à la cafétéria, qui étudient, qui allaient chiller au bistrot. Puis, c'est pas de la diversité. Donc, ouais, c'est ça. Aussi, les gens. Majoritairement viennent de collèges privés aux alentours. Donc, il y a Mont-Saint-Louis, il y a aussi Regina Assumpta, il y a aussi plusieurs écoles publiques dans les environs. Il y a aussi du monde qui vient beaucoup de Laval, de plus loin, comme Blainville, Saint-Jérôme, à cause des transports en commun. Puis voilà, c'est ça. Pour ce qui est de l'ambiance,
c'est pas une ambiance super party, genre wouh, tu sais, comme on. Genre, toujours le party, toujours comme. Mais je trouve que moi, j'ai aimé l'énergie qu'il y avait à Babylone, personnellement. C'était une énergie pour moi. Puis j'ai vraiment aimé, j'ai aimé l'ambiance. C'était pas une ambiance comme trop énergique, ni trop morte. C'était juste correct. Il y a des choses qui se passent, mais c'est pas trop, trop éclectique. Mais moi, ça me convenait parfaitement. Je pense que si vous choisissez un cégep, que ce soit Bois-de-Boulogne ou n'importe quel autre cégep au Québec, il faut que vous vous sentiez chez vous quand vous entrez dans ce cégep-là. Puis moi, c'est ça que j'ai ressenti quand je suis allée, quand j'ai entré la première fois. J'ai entré et j'ai fait « Ouais, okay, je me vois passer 2 ans ici. » Puis vraiment, je ne regarde pas mon choix. Je suis vraiment très contente d'avoir choisi Bois-de-Boulogne, autant pour la formation que j'ai eue, que les personnes que j'ai rencontrées, puis l'expérience que j'ai acquise, autant l'expérience personnelle que scolaire. Puis vraiment, ce cégep-là, c'est peut-être pas le plus beau. On s'entend que l'Ignace, c'est laid, là, c'est pas beau comme bâtisse, mais je pense que je serais pas allée nulle part ailleurs. Parce que vraiment, ces 2 années-là, elles ont passé trop vite à mon goût. Puis j'ai vraiment eu 2 ans que je pense pas que j'ai oublié de sitôt. Voilà. Aussi, vous pouvez vous impliquer. Il y a des équipes sportives. Il y a du volleyball, du natation, du soccer, du flag foot. Il y a l'association étudiante. Il y a des clubs de musique. Il y a genre le premier soin. Là. Il y a aussi des clubs pour les maniaques de technologie. Il y a vraiment plein de choses que si il y a aussi des mangas, je crois. Moi, je pense que oui. Il y a vraiment plein de choses. Puis si vous voulez vous impliquer, vous pouvez. Si vous voulez rester assis avec vos amis et parler, ben faites ça, mais vous pouvez aussi aller faire d'autres choses si ça vous dit. Donc, il y a des choses pour vous. Puis, c'est ça. Donc, j'espère n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Mais si je peux pas, ben n'hésitez pas à consulter vos API, vos professeurs. Vraiment, tout le monde est là pour répondre à vos questions. Mais c'est ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Bois-de-Boulogne. Profiter de ces 2 années parce que ça passe vraiment trop vite à mon goût. J'aurais fait encore un an, bizarrement, là. Mais c'est ça. Donc, bienvenue à Bois-de-Boulogne et bonne rentrée. Je sais que les noms ont changé depuis. Mais je veux dire, ça ressemble. C'est admin, c'est admin. Puis. Il y a des avions. On se trouve à Saint-Paul, donc dans la cafétéria au sous-sol. Puis il y a vraiment un bon choix de bouffe, là, parce que j'ai des églises. Oh my god! Non! Il y a un mariage ou non, c'est dimanche prochain. Pourquoi? Voyons donc. Je sais pas qu'il m'attaque, il y a rien dans mes chats.